raise your voice and sing. Vous écoutez Radio Respiration FM. Un cordial salut à vous tous, ici Emmanuel Élisée, non récent, qui vous présente un coup d'œil sur l'actualité mondiale. La fille aînée du président américain Barack Obama a contribué à la prise en charge d'accessoires, rapporte la publication américaine The WAP. Le feuilleton extant raconte l'histoire d'une ex-astronaute, jouée par Halle Berry, qui revient sur Terre après avoir passé une année dans l'espace. Selon les insiders, Malia Obama s'est faite discrète jusqu'au moment où le réalisateur lui a demandé de s'occuper du clap pour le début d'une scène. Toujours selon les insiders, l'adolescente était très intimidée, mais a toutefois gardé le sourire. Ni les producteurs, ni les chaînes, ni la chaîne plutôt CBS, qui distribue la série, n'ont voulu s'exprimer sur la présence de Malia Obama. Cependant, la Maison-Blanche, de son côté, n'a fait aucun commentaire, même si le président avait déclaré il y a 2 ans que Malia souhaitait être cinéaste. Elle aime le cinéma, dévore les films, mais elle sait qu'il lui faudra plusieurs années d'études avant de comprendre ce métier. Il est clair que pour commencer un stage aux côtés d'Halle Berry est beaucoup plus sympa que de travailler dans un fast-food. Les discussions sur un éventuel cessez-le-feu ont été perturbées par la mort de 2 journalistes russes mardi soir, Igor Kornieluk et Anton Voloshin ont été tués dans l'est séparatiste de l'Ukraine par des tirs de mortiers des forces ukrainiennes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a déploré l'incident et a demandé l'ouverture d'une enquête. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Chokin, a affirmé que les journalistes avaient été pris pour cible par les forces ukrainiennes. Son homologue ukrainien, Yuri Sergeyev, a souligné que le président ukrainien avait ordonné une enquête. À Port-au-Prince, plus de 4 ans après le tremblement de terre, les cicatrices sont de moins en moins visibles à Port-au-Prince. Les réfugiés ont quitté leurs tentes ou en ont été chassés. Les gravats n'encombrent plus les rues. Beaucoup d'ONG sont reparties, mais les problèmes qui préexistaient, pauvreté, santé, emploi, demeurent. Pourtant, le séisme du 12 janvier 2010 avait fait naître un grand espoir, celui de reconstruire Haïti en mieux, pour reprendre les mots de Bill Clinton. La Russie a annoncé mardi 17 juin avoir obtenu le feu vert de la Syrie
pour l'ouverture de points de passage dans ses frontières avec l'Irak, la Jordanie et la Turquie, qui permettront d'apporter une aide humanitaire dans le pays. Selon l'ONU, 9,3 millions de Syriens, près de la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire dont l'acheminement se heurte aux difficultés liées à la guerre et aux obstacles bureaucratiques émanant du gouvernement syrien. Vous êtes branché sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Dans un instant, mesdames, mademoiselles et messieurs, un coup d'œil sur l'actualité sportive pour cette journée. Maintenant, un coup d'œil sur l'actualité sportive, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Malgré le premier but marqué par l'Algérie, eh bien, la Belgique arrive à s'imposer aujourd'hui avec un score de 2-1. La Belgique a battu l'Algérie sous un score de 2-1. C'était très difficile, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le Mexique fait feu de tout bois pour garder, n'est-ce pas, le filet intact, pour garder le filet vierge face au grand Brésil. Eh bien, le score, c'était 0-0, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était une journée extraordinaire. C'était du football du jamais vu sur le terrain. Un portier, un gardien, un goalkeeper arrive, n'est-ce pas, à faire une différence extraordinaire. C'était ça l'affaire. 0-0. Brésil, dans le match de foot qui opposait Brésil et le Mexique. Enfin, pour cette journée, un match nul a eu lieu entre la Russie et la République de Corée. Et selon ce que j'ai lu, eh bien, cette équipe de foot était vraiment disciplinée face à la Russie. Je fais allusion à la République de Corée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous êtes branchés sur les ondes de la radio Respiration, votre station de prédilection. Dans un instant, la chanson du jour. Radio Respiration FM. Bougez.
plongez votre corps avec une bouffée d'oxygène. Vous écoutez Respiration FM. La chanson du jour, un morceau instrumental. C'était pour la présentation de ma journée, Emmanuel Élisée Norestin. Eh bien, à la prochaine, bye bye.